qu'est-ce qu'il est bon ce jus de pomme. Ah, mais que fait-elle? Si elle n'est pas là, je ne pourrais pas lui dire ce que j'ai à lui dire. Tout ça est si éprouvant. Oh, et quelle chaleur il fait ici. Je suis tout humide. On sonne à l'interphone. Ce doit être elle. Je vais enfin pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire. Kimberly, c'est toi? Oui, c'est moi. Quelle surprise. Oui, je suis venue pour que tu me dises ce que tu as à me dire. Montre que je te dise ce que j'ai à te dire. Oh, j'appréhende tellement de lui dire ce que j'ai à lui dire. Il me refaut un jus de pomme. Ah, la voilà. J'arrive! J'arrive! Pourquoi ne m'ouvre-t-il pas? Oui, entre! J'espère que ce qu'il va me dire ne va pas tout gâcher entre nous. Kimmy, tu es toujours aussi élégant. Je ne peux pas lui dire. Il faut que je lui parle d'autre chose. Tu veux boire quelque chose? Un café? De la crème chantilly? Tu sais bien que je n'aime ni le café ni la crème chantilly. Donne-moi donc un cappuccino. Tu me surprendras toujours, Kimmy. Tu sais, Kimmy, par rapport à la dernière fois, je voulais que tu saches que... Non, ne me reparle pas de ça, je t'en veux encore beaucoup trop. Mais il le méritait. Non, lâche-moi, tu me fais mal. Et ne dis pas ça, c'est ton meilleur ami, Jason. Brandon. Je m'appelle Brandon. Oui, mais Brandon, ton meilleur ami, c'est Jason. Oh, oui, tu as raison. Je suis perturbée à cause de ce que j'ai à te dire que je dois te dire. Oh, oh là, je me sens mal. Non, Kimmy. Stop, on va la refaire. On se remet tous en place, s'il vous plaît. C'est bon? Action. Qu'est-ce qu'il est bon, ce jus de pomme. Oh, mais que fait-elle? Si elle n'est pas là, je ne pourrais pas lui dire ce que j'ai à lui dire. Tout ça est si éprouvant. Oh, et quelle chaleur il fait ici. Je suis tout humide. Oh, on sonne à l'interphone. Ce doit être elle. Je vais enfin pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire. Kimberly, c'est toi? Oui, c'est moi. Quelle surprise. Oui, je suis venue pour que tu me dises ce que tu as à me dire. Montre que je te dise ce que j'ai à te dire. Oh, j'appréhende tellement de lui dire ce que j'ai à lui dire. Il me refaut un jus de pomme. Ah, la voilà. J'arrive. Pourquoi ne m'ouvre-t-il pas? Oui, entre. J'espère que ce qu'il va me dire ne va pas tout gâcher entre nous. Kimmy, tu es toujours aussi élégant. Je ne peux pas lui dire. Il faut que je lui parle d'autre chose. Tu veux boire quelque chose? Un café? De la crème chantilly? Tu sais bien que je n'aime ni le café ni la crème chantilly. Donne-moi donc un cappuccino. Tu me surprendras toujours, Kimmy. Kimmy, par rapport à la dernière fois, je voulais que tu saches que... Non, ne me reparle pas de ça, je t'en veux encore beaucoup trop. Mais il le méritait. Ah. Non, lâche-moi, tu me fais mal. Et ne dis pas ça, c'est ton meilleur ami, Jason. Brandon, je m'appelle Brandon. Oui, mais Brandon, ton meilleur ami, c'est Jason. Oh oui, tu as raison. Je suis perturbée à cause de ce que j'ai à te dire que je dois te dire. Oh, oh là, je me sens mal. Non, Kimmy. Coupée. Bon, elle était mieux, mais on va la redoubler. Hein. Allez, on y retourne. Action. Qu'est-ce qui est bon, ce jus de pomme. Oh, mais que fait-elle? Si elle n'est pas là, je ne pourrais pas lui dire ce que j'ai à lui dire. Tout ça est si éprouvant. Oh, et quelle chaleur il fait ici. Je suis tout humide. Oh, on sonne à l'interphone. Ce doit être elle. Je vais enfin pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire. Kimberly, c'est toi? Oui, c'est moi. Quelle surprise. Oui, je suis venue pour que tu me dises ce que tu as à me dire. Montre que je te dise ce que j'ai à te dire.
j'appréhende tellement de lui dire ce que j'ai à lui dire, il me refaut un jus de pomme. Ah, la voilà. J'arrive. Pourquoi ne m'ouvre-t-il pas? Oui, entre. J'espère que ce qu'il va me dire ne va pas tout gâcher entre nous. Kimi, tu es toujours aussi élégant. Je ne peux pas lui dire. Il faut que je lui parle d'autre chose. Tu veux boire quelque chose? Un café? De la crème chantilly? Tu sais bien que je n'aime ni le café ni la crème chantilly. Donne-moi donc un cappuccino. Tu me surprendras toujours, Kimi. Tu sais, Kimi, par rapport à la dernière fois, je voulais que tu saches que... Non, ne me reparle pas de ça, je t'en veux encore beaucoup trop. Mais il le méritait. Mal. Et ne dis pas ça, c'est ton meilleur ami, Jason. Brandon. Je m'appelle Brandon. Oui, mais Brandon, ton meilleur ami, c'est Jason. Oh oui, tu as raison. Je suis perturbée à cause de ce que j'ai à te dire que je dois te dire. Oh, oh là, je me sens mal. Non, Kimi. Oh. Coupé, parfait, c'est dans la boîte.